La première chose que je voudrais dire, c'est que nous avons le droit d'avoir peur. Quand j'entends que si on a peur, ils ont gagné, je crois que eux n'ont pas peur. Les bourreaux n'ont pas peur, car ils aiment la mort. Nous, nous avons peur, car nous aimons la vie. Nous avons le droit d'avoir peur. Je voudrais réhabiliter la peur ce soir. Quand on est du côté de la pulsion de vie, la peur est ce qu'il y a de plus sain pour essayer de trouver une solution. La peur n'est pas une défaite. Souvent, c'est une réserve d'énergie. Et je suis écrivain. Ces gens qui veulent assassiner la France veulent assassiner la culture. Et je vais donc laisser la parole brièvement à deux écrivains. Apollinaire. Apollinaire résume la nuit d'hier. Nuit violente, ô nuit dont l'épouvantable cri profond devenait plus intense de minute en minute. Nuit qui criait comme une femme qui accouche. Et je vais vous lire un passage du grand poète Hölderlin sur le nihilisme. Et comment ne pas s'enferrer et s'enfermer dans le nihilisme, dans ces gens qui aiment le néant, quand nous, nous aimons la pulsion de vie. Malheureux qui êtes tout pénétré, vous aussi, du rien qui règne sur nous, qui comprenez que ce pourquoi nous sommes nés n'est rien, que ce que nous aimons n'est rien, que ce en quoi nous croyons n'est rien, que nous nous épuisons pour rien, et pour dans le rien, lentement nous engloutir. Moi aussi, j'ai sombré parfois dans cette pensée, et je suis encore là. »